Bon, Marie-Ève, c'est parti, ton système d'attaque. Déjà, toi, tu es droitière. Comment est-ce que tu te tiens en compétition? Comme ceci, je me présente en vraie droitière sur les gauchères. Donc, après, je vais en saisir classique. Ça, Marie-Ève, c'est ta garde préférée, c'est-à-dire loin derrière. Voilà. Et la manche, montre-nous. Voilà. Loin derrière. J'ai toujours ma jambe droite avancée. Après, je peux faire des relais, mais là, ça va être comme ça. Là, cette main, l'objectif, c'est le coude bien en bas pour pas te faire contrer. Voilà. Pour pas qu'elle puisse redresser et mettre distance. Donc, dans ce cas-là, je devrais repasser et toujours le même objectif. Voilà, être à moi, tracter à moi. Le rôle de cette manche ici, comment est-ce que tu travailles sur cette manche? Tirer pour amener toute la personne sur la jambe qui va déséquilibrer, donc la jambe gauche qui est avancée. Ce que tu préfères, toi, ce sont les gauchers, les gauchères. Pourquoi? Parce que la jambe gauche est en avant et tu peux faire ton taniotoshi. Exactement, ce que je vais vous montrer. Alors, ce qui est très important, Réaction. le petit secret de champion, c'est la réaction. Ta hanche ici, la pointe de ta hanche qui est là, va partir sur l'avant pour faire réagir sur l'arrière. Ça, c'est très important. En fait, tu vas faire semblant de partir sur l'avant pour disparaître sur l'arrière. Ici, ta jambe est très importante. Tu viens vraiment te jeter sur l'arrière. Et voilà, faucher avec la main. Donc on rappelle, l'objectif, bien sûr, projeter l'adversaire sur le dos. Par contre, il arrive parfois que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Mais tu as une solution en liaison de boussole. Hein. Voilà. Voilà, ici, tout de suite, garder les contrôles. Voilà, et ça c'est très important, tu ne lâches rien et tu repars sur le jujigatame. Marie-Ève, on va revenir juste sur cette phase-là très importante. Au moment, au moment où il vient tomber au sol, tu gardes les contrôles, hein, tu gardes la manche, ça c'est extrêmement important. Ouais, on a parfois du mal à le savoir, mais la liaison debout au sol c'est important. Ça tu lâches, si ça lâche pas, tu gardes, tu arrives à garder quand même les contrôles. Hein. Là je vais toujours la manche, je vais partir comme ça. Je pars sur un 5 et je récupère. Donc ici, jujigatame, tu as bien le contrôle du bras, la clé de bras est parfaite et tu suis au sol, Yaipan. Voilà. Et s'il faut, je pointe. Mais voilà. Et la clé. Le judo, c'est un tori, c'est un hooké, merci. À toi Florian d'avoir joué le jeu, petite dédicace à ton club Sainte-Geneviève Sport et Tori, Marie-Ève Gaillet, celle qui a exécuté comme d'habitude de manière absolument parfaite.